Ils sont là ? Oh ! Salut à tous ! Bah aujourd'hui, partie électricité. Donc j'essaie de passer mes câbles électriques pour mes lumières en haut du camping-car. Voilà. Parce que bah ouais, comme tout a été écrasé, faut tout repasser quoi. Ouais. Donc, vous me suivez ? Le petit pouce si ça vous a plu. Et la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. Bon voilà, donc j'ai fait la pose des deux lumières qui vont en haut du camping-car, les feux de position en haut, enfin les feux de gabarit, et puis la pose du feu stop au milieu. Voilà, donc j'ai refait le câblage. Voilà, bon on va attaquer l'électricité à l'intérieur. Bon voilà, nous voilà rendus dans le camping-car. Donc, j'ai toute l'ancienne électricité du camping-car qui arrive là. Cette partie-là. Faut que je passe donc toute ma alimentation là. Enfin, mais c'est ce que j'ai fait pour cacher les fils, ça m'évite de passer des petites gouttières en plastique et que ce soit caché. Donc je vais les passer tout le long là. J'ai des lumières donc au plafond à monter. Et puis je vais certainement installer toute la partie du tableau au-dessus de la porte. Donc, tableau de contrôle. Voilà. On est pas facile hein, de reprendre. Sur l'ancienne électricité existante, je me demande même si je devrais pas tout refaire. Mais bon, on va essayer, on verra bien.
Bon allez, parfois attaquer. Hein. Vous êtes encore là? Vous avez pas quitté, hein? Bon, voilà. Bah, j'ai commencé l'électricité, hein. Donc, bah, elle est partie, j'avais pas mis de mousse, en fait. C'était parce que je voulais passer mes câbles dedans. Voilà, là, ça va passer dans une cloison, en fait. Et ça passe sous la salle de bain, dans le faux plancher. Voilà, j'ai le 220, le disjoncteur du 220 qui retourne au chargeur de batterie. La batterie qui va être sous le siège. Voilà, et puis, c'est ça. Voilà, le petit panneau. Avec tous les fils à brancher, ça va être sympa. voilà. Donc, bah, le panneau, il va venir de ce côté-là, hein, sur un meuble qui va être là. Donc, je suis obligé de faire, en fait, tout le tour du camping-car par la soute arrière pour remonter et revenir à un meuble qui va se situer sur le bout ici. Voilà, ça va se situer par là. Voilà où on en est aujourd'hui. Tu as fait tes trous pour tes spots. Enfin, t'as commencé. Ouais, il va y avoir des spots en fait directement intégrés dans le plafond. Donc j'ai commencé à faire mes trous
pour repérer mes spots, hein. La salle de bain. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai passé l'électricité du frigo aussi. Voilà, le compte de 120. C'est là. Voilà, j'ai passé mes fils d'interrupteur de pour l'éclairage. Qui arrive là. Donc là, je vais remettre de la mousse sur tout le mur pour cacher mes fils, comme ça j'ai pas de gouttière en plastique à mettre, rien. Voilà. Donc sinon après la mousse elle est quasiment finie. Quasiment fait mon isolation. J'ai encore 2-3 endroits là, au niveau de la cuisine à finir de poncer. Des petits trous à reboucher. Voilà, puis demain, je continuerai d'électricité. Enfin, je vais finir de poncer ça. Les petites parties là, et puis finir mon électricité. Voilà, voilà. On en est. Bah, c'est un chantier quand même. Bon, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Si vous aimez nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Le petit pouce, ça fait toujours plaisir. La petite cloche si vous voulez avoir une nouvelle vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager pour faire grimper la petite chaîne.